Aqualung est un jeu de stratégie abstrait pour deux joueurs. Le but est de former des groupes de jetons de même couleur ou de même type. Aqualung nous entraîne sous l'océan, avec toutes ces merveilleuses créatures marines qui s'entassent les unes à côté des autres. Le récif est représenté par un plateau de 6 cases sur 6. Quant aux créatures, ce sont des tuiles. Elles sont mélangées face cachée en début de partie. 6 d'entre elles sont placées à côté du plateau et révélées. Dans Aqualung, les joueurs ont une envie frénétique d'organiser l'océan. Mais ils ne sont pas d'accord sur les critères de rangement. L'un veut qu'il soit rangé par couleur et l'autre par type. Un tour est composé de 3 phases, à faire dans l'ordre. À part lors de la première manche, le joueur actif peut, s'il le souhaite, bouger l'un des jetons du plateau. La créature se déplace tout droit, d'autant de cases qu'il veut, et s'arrête lorsqu'elle rencontre une autre créature ou le bord du plateau. Il est possible d'utiliser la ligne ou la colonne, mais pas la diagonale. Le joueur actif choisit ensuite l'une des tuiles visibles sur la table et la place sur une case vide du plateau. Il termine en piochant et révélant une tuile face cachée. Lorsque le plateau est entièrement rempli, la partie prend fin. Les joueurs calculent leurs points suivant leurs critères, couleur ou type. Chaque banc rapporte un certain nombre de points. Un banc correspond à un groupe de même couleur ou de même type, d'au moins 2 tuiles qui se touchent directement. Celui qui a le plus de points remporte la partie.